Bah oui, autant que ça démarre. Donc si je fais ça... attends, on est d'accord que... Ah, pourquoi j'ai mon... Attendez, excusez-moi, j'ai mon Discord qui apparaît. Bah... Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Cette musique rock. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis pas mal crevé. Je trouve que le son est fort. Attendez. Je démarre tardivement parce que j'ai petit souci d'orgue gastrique. Je voulais pas me bousculer au réveil. Et Et je démarre tout doux. Attendez, je ne comprends pas. D'accord, j'avais pas compris. Ah oui, suis-je bête? Suis-je bête? Eh oui. Merde. Get out. Moi, j'ai pas. Ah, ou comme ça peut-être. Ah ouais, reload weapon. Ok. Fire go. Voilà. Karstet. Ah, inventaire. Attendez, je configure mes touches, j'essaye de... Voilà. Car stat workshop. Voilà, pourquoi pas. Game menu. Ah, les quêtes. Important ça, les quêtes. Histoire. Et... Ah, la carte. Très importante, la carte. Mais non, mais ils sont chiants avec leur fire group, je sais pas quoi là. Comment veux-tu que je fasse mon truc? Oh là 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 là. Endroit spécial dans la ville? Le bar, ok. C'est très très particulier. Voilà. On la pose qui est en F8. Je sais pas si je vais la mettre ailleurs. Ah oui, c'est important. Pick up everything. Ah ouais. Je vais faire comme ça la souris. Alors, game. Oula! Alors, difficulté facile, moyen, balèze ou impossible? On va mettre moyen. Je pense que ça va pas mal. Et si je mets difficile, j'ai peur de recommencer trop souvent. Amount of battle remark. Je vais laisser tel quel. Ah, je pense que c'est l'intelligence artificielle. La portée de quel, à quel endroit les ennemis me détectent. Peut-être pas trop loin non plus. Me facilite un peu la vie. C'est quoi les crédits? Ah mon dieu. Ah bah, au moment que je vais vous faire la causette, peinard, je pourrais mettre ça. Oula, on voit des choses.
C'est quoi cette musique? Bon, allez, on va se regarder l'intro. Bon, j'ai pas mon retour, j'espère que je diffuse d'un truc de qualité. Voilà, magnifique. L'intro n'existe pas. Ils l'ont peut-être soustrait du jeu, allez savoir. Alors, c'est en anglais et j'ai un anglais très moyen. On va voir, je vais essayer de traduire au mieux. Allez, nouvelle partie. Ouais, on va mettre en moyen. Alors, pour ceux qui ont connu, et moi j'ai eu plein d'heures de bonheur en solo comme en multi, enfin multi en famille, c'est Interstate. Interstate, en fait, qui a eu plusieurs opus, qui est un jeu de style-là, en fait. C'est, vous avez votre bagnole en milieu guerrier, en milieu conflictuel. Votre bagnole, vous la personnalisez avec des flingues, lance-roquettes, mitraillettes, lance-clous, vous balancez de l'huile à l'arrière. Enfin bref, c'est, j'aime bien l'ambiance de ce genre de jeu. Ouais, pardon si je me présente pas trop frais face à vous là ce week-end, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Cette semaine, j'ai plus morflé que d'habitude. On est début septembre, j'en ai marre de History la hasn't chaleur. kept any certain facts about the Dark Ages that followed the Cataclysm. One thing is sure. The thing that saved all humans was a face mask. The creation of an unknown genius protected people from the contaminated air and equalized everyone. This thin barrier between life and imminent death became the symbol of new humanity. Masks united people and gave them strength to fight for the future. New settlements were founded, far from old cities that had become common graves. Little by little, small groups of survivors established trade relations between each other. Simple professions like miners, farmers, traders were in demand. Hard work made people forget about the horrors of the past. But nothing can change the nature of man. At all times, there were people who saved the wisdom to share it with others. Also, there were other ones who preferred chaos and destruction above all. Alors, je résumais très simplement. Rise and shine. I have good news for you on your birthday. C'est Mad Max. Voilà. Good morning, Father. I'm all ears. It's a great day for both of us. You're an adult now and may do whatever you want. Of course, you better ask your father's permission. Mine in your case. Do you see this truck? It's yours now. I cannot believe it. I'm finally allowed to drive alone. I mean, thank you, sir. Father, sir. Yes, but first. Wow, I will go to the very edge of the world. Yes, if you're not afraid to fall over. But first, you must go to South and deliver this package to Sergo, a friend of mine. Test your driving skills and return immediately. Your wish, my command. Alors, on voit que c'est une production modeste parce qu'ils n'ont pas l'animation faciale. T'as l'impression de t'adresser à des Anonymous là, qui portent leur masque. Mais bon, ça change en rien la qualité du titre. Alors, do you want to get in on how to play? Yes, I need. Il faut que j'ai besoin d'aide pour comprendre comment le jeu fonctionne, parce que la dernière fois que je l'avais testé, j'avais fait quelques missions, et puis par manque de temps, j'avais arrêté. Mais il m'avait laissé un bon sentiment. Le peu que je l'avais essayé, je l'ai peut-être essayé, peut-être grand maximum une dizaine d'heures, et encore, je pense que j'exagère là amplement. J'ai dû faire moitié moins. Et c'est vraiment, franchement, un Interstate remis au goût du jour. C'est vraiment sympa.
Alors, le radar, la structure, oui, l'intégrité du véhicule, avec l'armure, l'essence, le temps de la mission. Ah, j'aime pas les trucs chronométrés, ça me rend fou. Le compteur de vitesse, les flingues sur le côté, information sur la cible. Tac, 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 tac. Oui, ok, les messages, les actions. Ah, oui, récupérer du matos et donner des coups de klaxon, c'est important. C'est ça qui est dingue, on communique par klaxon aussi. Voilà! C'est d'une fluidité. Attends, si mon compteur me dit pas de bêtises, j'ai cru lire un moment que j'avais 1400 images secondes, non? Ah non, j'ai du mal lire, faut pas déconner. J'en ai en gros 170 des images par seconde. C'est trop fluide. Alors, là, je suis en qualité moyenne d'un point de vue graphique. J'ai voulu mettre tout à l'heure, avant de lancer mon antenne, en qualité max. Sauf que le jeu crash. C'est dommage. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Je sais pas si j'ai fait les bons choix pour. Oh, ça va mettre un peu de difficulté au niveau des touches. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Ça me rappelle des bons souvenirs dans Interstate. Yébé. Il y a de l'eau dans cette rivière. Il y a de l'eau dans le canyon, c'est bien. Très abrupt. Ah, attendez, que je teste mes touches. Parce que là, en passant le pont, non, je suis allé au-delà de mon territoire habituel. Ouais, pas mal la carte. Le fait que je l'ai mise. Ah. En fait, c'est plus que la carte parce que j'ai accès à différents trucs. Ah, l'interface, je m'en souvenais pas. Elle est bien foutue. Ah, ouais. Ah, cool. Avec les caractéristiques du Schmilblick. Ah ouais, ça me plaît bien. Là, normalement, je ramasserai tout. Je pense que j'ai pas trop mal configuré mes touches. Oh. Les premiers vilains. Qui seraient là-bas, en fait. The roof is on fire. Ah merde! Yeah, j'ai du caca dans les yeux, le mec, je l'ai pas vu arriver. Ah, alors lui, il n'y avait rien à récupérer. Ah, je fume déjà. Voilà. Oh, un barrage. Qui c'est ce boxion? Mais qui c'est ce boxion? Hein? Ah, je peux faire klaxon. Klaxon pour entrer dans la ville. Klaxon, je l'ai mis où? Non, ça c'est des phares. Merde, je sais plus où j'ai mis le klaxon. Attendez. Oh! Mes ordres de mission. Ah, oh, j'ai changé d'arme. Ah non, j'ai rechargé, pardon. Ah, le klaxon est là. Il faut que mon cerveau mémorise les touches que j'ai programmées. Alors ici, tu peux acheter, ouais, faire plein de trucs avec le véhicule. Ok. Rajouter de l'essence, parce qu'il faut gérer l'essence. Améliorer le camion, acheter des trucs. Ok. Oh la vache! Alors, il faut un certain temps pour s'accaparer le. Oh! Je peux faire la peinture.
trop bien. C'est quoi ma thune? Ah, j'ai 100. Échanger la peinture coûtera 10. Ah, j'aime bien le rouge. Je veux bien part dans le rouge. C'est quoi ça? Oui, c'est l'essence. Refuel pour 9. Oh la vache, je suis déjà endommagé. Putain, j'ai déjà plus de fric. Il faut acheter ses propres munitions. C'est génial. On tend vers le simulateur tant que c'est rigoureux, on va dire, dans toutes les paramètres en prenant en compte. J'adore ce genre de jeu, j'adore. Je crois que j'ai bien fait de mettre en difficulté moyenne. Je pense que je vais relativement assez vite arriver en situation d'échec. Putain, mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ils sont où les vilains? J'ai la gare. J'ai le radar qui s'affole. Ils sont où? Je les vois pas. Salopard. Wouah, j'ai ma remorque qui va. Enfin, si on peut pousser une remorque. Qui va gicler là, parce qu'elle est en roue. Et ça, je peux pas le récupérer? Oh merde! It's just a scratch. C'est rigolo. Ah, le pneu en feu! Barre-toi le pneu! Va pas me brûler, je me méfie. Je me méfie du début d'incendie. Alors ça, je récupère comment? Comment je fais pour récupérer la marchandise? Oh mon dieu, j'ai même des stats. Quoi? Une encyclopédie? Non, déconne pas. Oh! Eh, je vais lire pas mal de trucs in English hors antenne. Pour être moins imbécile. Mais... comment je fais pour récupérer le matos? C'est quoi ma touche? Pardon, hein. Il faut que j'apprenne. Non, ça c'est le klaxon. Déjà, faut que je recharge. C'est vrai que j'avais plus rien dans le canon. Merde, c'est pas ça. Bah merde alors. Oh! Oh! Je change de vue. C'est quoi ça? Ah, c'est moi qui tire. Ah bon, c'est une touche de tir, ça aussi? Je suis complètement largué. Ah, d'accord, il faut que j'appuie là pour... Oh. Ah, c'est bizarre comme... Si je fais ça, j'ai... Ok. Oh, c'est... Ouais, non. Mes touches me vont pas. Je suis en train de réfléchir. Pardon, hein, je peaufine, mais... C'est pas instinctif. La recharge, il faudrait que je fasse le clic droit. Ah oui, right mouse button, pick up everything. C'est pas ça. Je suis pas d'accord. Non, non, ça marche pas, votre truc. Ouais, alors, history, je suis pas d'accord. Je veux changer le truc, je vais le mettre ailleurs. Ça me servira à rien, là. Attends, c'est entrée, je crois, ma touche, non? Ah non, c'est space. Alors, est-ce que je peux... Ouais, je préfère faire comme ça. Ouais. Du coup, le klaxon. Ouais, je vais mettre le klaxon là. Je pense que je serais mieux. Oui, tiens, je peux sauvegarder.
Sauvegarde. Ah ouais, j'ai récupéré ça, d'accord. Attends, là j'ai la carte, là j'ai mon inventaire. Pardon pour le tâtonnement, mais j'apprends. Ouais, non, c'est pas encore la bonne combinaison de contrôle. Recharger l'arme. Bah ouais, mais... Attends, le horn, le klaxon. Qui est vraiment important dans le jeu. Je réfléchis. Car stack pour chop, ouais, je peux pas, j'ai pas le droit. Est-ce que je peux faire récupérer le matos et le klaxon en même temps? Ça m'arrangerait bien. Non, j'ai pas le droit. Ah, merde. L'évacuation. L'évacuation serait là. Faut que j'y pense. À mon avis, je vais me faire avoir comme un bleu. Là, je te mets le klaxon. Le fait de recharger, je le mets là. Ça me paraît bien. Alors pardon, je re-sauvegarde comme un gros niveau là. Oui, là je recharge, ça me paraît pas mal. Et je sais déjà plus c'est quoi la touche pour récupérer le matos. Ah. Non, faut que j'aille par là-bas. Oh oh! Attends, c'est un copain ou c'est un ennemi? Il est en vert, c'est un copain. Un aventurier. Salut toi! Il me contourne, c'est rigolo. Ah, je suis à bientôt plus qu'à 500 mètres de ma cible. Ah bah c'est la ville en fait qu'on voit, la fortification. Non, il y a franchement une ambiance à la Mad Max. C'est typique de ce genre de jeu. C'est quoi les croix vertes? Ah, c'est les canons. Oui, heureusement qu'ils sont pas contre moi. Oh le con. Il défonce tout. Arrête de tout démonter. Ah oui, on peut choisir les réponses dans les dialogues. C'est pas mal. Alice. Oh mon dieu. Bonjour Erika. Coucou, j'espère que tu vas bien. Oh, ce rock. Oh, il dit man, mais yes, sur favor. Alors, are you talking me? Ah oui, bien sûr. Oh, ce discours. Ah, faisons affaire. Alors... Mais non, je vais faire affaire avec elle. J'ai une nouvelle quête.
Mais non, mais oh, je veux réparer mon véhicule et vendre ce que j'ai récolté de mes ennemis là. Elle est marrante, elle. Voilà. Voilà, les réflexes commencent à venir. Une fois que j'ai bien paramétré là. Oula. Oui, j'espère que tu vas bien, Rika. Alors, plusieurs points d'intérêt dans le jeu, blablabla. Oui, tu peux personnaliser ton véhicule, truc mûche. Oui, non, c'est cool. Ah oui, au bar, je peux découvrir en causant avec les mecs des centres d'intérêt. Ou avoir de nouvelles missions. Alors, délivrer le paquet à un certain Swoot. Oui, non, d'accord, attends. Je vais finir par dire d'arrêter d'afficher les aides parce que... ça n'a plus de sens. Voilà, là, je suis au bar. Oh, merde. Il y en a du monde. Alors, il y a le barman, il y a le marchand et il y a le fermier. Je vais déjà m'adresser au barman. Bonjour, voyageur. Oh, je peux demander du boulot. Alors, je vais pas demander du boulot maintenant puisqu'on m'en a déjà donné. Je présente mes excuses, je m'engage pas maintenant dans un nouveau truc. Le vendeur m'intéresse. Oh la vache, il a des yeux, il fait peur le mec. Wow. Ah, c'est lui à qui je devais redonner le colis. À Sergio, le vendeur. Tu dois être le fils de Peter. Oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est mon premier voyage. Parlons affaires. Oh, c'est gentil. Il va me donner 100 thunes parce que je suis le fiston à un tel. Ah ouais, putain, il m'a rendu riche. Merci. Mais j'aimerais qu'on fasse affaire pour de bon. Comment je fais pour faire affaire? Ah, c'est là. Oula. C'est un peu fort le bruit d'ambiance du marché. Oui, c'est du bois. Bon, bah, le bois. Alors, j'ai quoi, moi? 5. Ah non, mon matos, c'est mieux. C'est de la bouse, leur truc. Je vais revendre, c'est de la bouse. Ah. Ah, je pourrais me l'acheter, celui-là. Clip size 70. Non, comme le mien. Non, là pour le coup, ça vaut pas le coup que j'améliore mon véhicule. Faut juste que je le répare en fait. Là, c'est pas mal du tout. Essence. L'essence, ça va. Franchement, c'est accessible. Par contre, les réparations. Ou que ça coûte cher les réparations. C'est le tout début, je suis en difficulté moyenne. Je sens que je vais en baver. Alors, le... Voilà, j'ai pas pété de vendeur. Le fermier. Ah, une petite faveur. J'écoute, il veut quoi? Ah, j'ai une offre d'affaires importante. Ah, oh, quoi, il veut ses papiers à la maison? Ah, oh là 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 là, il faut que je revienne avec les documents de sa ferme. Enfin, de sa ferme, non, j'ai que des bêtises. Bref, son exploitation, et il faut que je revienne ici à les donner à Serge. Ouais, pourquoi pas. Par contre, le mec a disparu. Voilà. C'est quoi ma mission en cours? Parce que là j'ai réussi ma première mission, je vais pouvoir sauvegarder, non? Merde, je me suis trompé. Pas évident. C'est quoi mes ordres de mission? Oh! Ouh.
Ah, mais non, je veux pas. Pourquoi j'ai tiré, moi? Oh vache. Non. Si, c'est la mission. Mais non. Comment je fais pour avoir mon ordre de mission? Ah, il y a des relations. Je suis en paix avec les aventuriers et en paix avec l'union des agriculteurs. Par contre, les vagabonds, c'est la guerre. Attends, je suis un peu perdu sur... Ah, c'est ça, mes ordres de mission. Comment ça, Hall? Ouais. Tac, tac, tac. Oh, vache. Bon, je suis bêtement le radar, en fait. Il faut que j'aille par là-bas. Mais là-bas, là-bas... Oh, merde! On peut retourner. Ah, on peut avoir sur le radar, on peut avoir plusieurs objectifs simultanément. Oui, ils disent bonjour, ils disent have a nice day. Ibi. Par là qu'il faut que j'aille. Je sens que je vais errer dans ce jeu. Putain, il y a un moment de gel, de latence. C'est moi, hein, c'est le jeu, c'est pas votre connexion internet. Oh, il y a un vilain au-delà de la colline. Bon, le début du trajet s'est passé sans encombre. Wow, il y a des pylônes électriques. Oh là, le saut. Quoi? Ok, j'ai pas compris. Ça veut peut-être dire tout simplement que je change de territoire. Mais non, il n'y a pas de route. Enfin, il n'y a pas de... Oula, oula. Oula, 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 je me fais allumer. Oula, là, je suis pas le bienvenu. Ouh, je suis pas le bienvenu. Oh. Oula, là, la boulette. Attends, j'ai pas compris comment je fais pour atteindre le lieu. Allez, je me suis fait allumer quelque chose de bien, quoi. Oh, ce serait par là. It's showtime. Oh merde. Oh non. Oh non. You bastard. C'est un langage fleuri. Pas mort. You bastard. Yeah. Oh, des pommes de terre. Oh. Waouh, heureusement que c'est un copain parce qu'il m'aurait eu en toute beauté là. Ah, des pommes de terre. Ok. C'est quoi ça? Attends, j'arrive pas à lire mon radar. Ah non, c'est le sud. Ok. C'est la boussole qui... Je pense qu'il faut faire pas mal de hors-piste en fait.
Mais sinon, je pige pas. Here I am. Oh merde. Ah, le gémissement. Oula, mon camion il est plus frais du tout. Attends, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Alors, apparemment je vais être couvert par des tourelles ou je sais pas quoi. Ah ouais. Wait here till I finish my business. Let's go. Quoi, elle m'accompagne? Mais hey, j'ai le droit de rentrer dans le truc? Ah! Alors attendez. Ah non, ce que j'ai récupéré, c'est de la. C'est du menu frottin, comme on dit. Non, mais c'est pas. Ouais, c'est pas une place de marché. Ah la vache! Alors là, c'est vicieux, parce que si je croise des ennemis et que j'essaie de récupérer leur matos, j'aurai pas la place. Oula, mon dieu, je vais me faire un truc. Oula, 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 oula. Mais pardon, j'essaierai bien de voir mon propre signal. Voilà, que je puisse voir ce que je vous envoie comme. Mais ça a l'air d'être pas mal. Je me permets de regarder là. Ah, avec mon interface, vous n'y avez pas le pognon que j'ai dans le jeu. Donc je vous le dirai spontanément. Ouais, non, je l'ai bien. J'ai bien cadré mon truc. Ça va. Ah merde, j'ai la webcam qui a sauté. Oh, mais c'est pour aller. Attendez voir. Je vais vous réactiver la webcam. Bougez pas. Voilà. Là, je suis de retour. On y retourne. Hop. Oui, ouais, j'arriverai à voir. Ouais, ça décale un petit peu, c'est pas grave. Pardon. Alors, si je continue l'aventure. Ouais. Alors, j'ai de nouveaux objectifs, mais. Attends, si je lis la carte. Je suis là. Gate Station. Ouais, bah je vais aller au point mauve qui est plus proche, 1 km. Parce que là je suis dans un état de. Je suis dans un sale état. C'est bizarre, il y a des temps de latence dans le jeu par moment. Le jeu se gèle, je sais pas pourquoi. Oh la vache.
Oh, oh. Ah, c'est un copain, ça va. Ouf. Ah, lui aussi va à la station service. Oh là, j'ai même pas eu appuyé sur une touche direct. Bonjour, Tunsen. Oui, j'espère que tu vas bien. Merci, là, j'ai vu ta dernière info du jeu. J'avais vu un extrait d'ailleurs chez Monsieur Poupon, là. Ce dont tu m'as parlé tout à l'heure. J'ai revendiqué mon Mafia sur Steam. Merci à toi. J'avais fait ça hier soir, en fait. Alors. Oula. Oh, il me dit que je suis un pilote rapide. Alors, je reçois de la thune, c'est bien, mais... Mais pourquoi j'ai le bug du... Oh, c'est bizarre. Tomb Raider, non. Mais je crois que je les ai tous, ces Tomb Raider, sur Steam, sans déconner. Donc de là, aller le revendiquer sur le plateforme... Ah oui, c'est vrai que je peux peut-être améliorer le... Ah, attends, l'essence. L'essence, c'est la vie. Oh la vache. Oh! Alors, je viens de réparer mon... Ah non, pas intégralement mon camion. Merde, j'ai plus assez de thunes. J'ai plus que deux pièces de pognon. C'est pas cool, mon histoire. Merde. Il faut que j'aille dans une ville vendre le matos que j'ai récupéré parce que... Parce que crotte. Merde. Alors là où je vais, apparemment, c'est deux villes. Aller au second village. Retourner voir le père. Et là, il y a une ville. Waouh. Quel est le lieu le plus proche? Le truc bleu. Donc le truc bleu. N'importe quoi, le truc mauve. À Gingilino, là. On va aller à Gugulino. Non, tu as que le premier. Celui qui est gratuit, c'est Shadow of Tomb Raider. Celui que Bastos a fait il y a quelques mois. Ah, oh, je regarderai ça ce soir quand il y aura FunFan qui fera son direct. Je farfouillerai Tunsen. Oh merde! Oh non, il est en train de me bousiller, lui. Comment ça, le suivant? Attention, il y a un monsieur, faut pas que j'écrase. Ah non, déjà que je suis endommagé. Attends, mais... Par où est-ce qu'il faut que je passe, quoi? Oh non, il y en a un autre qui arrive. Ouais, je vais me faire déboîter. Non! Oh là 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 là. Comment que ça gicle? Pour entrer dans la ville, mais c'est pas la ville. Attends, je comprends pas. Non, c'est la station essence. Là, oui, c'est la station essence. Là, j'ai plus qu'une pièce de monnaie. Waouh. Et le jeu est pas facile. Et je peux rien vendre. Là, non, j'ai pas de pièce de marché. Et je me souviens de l'onglet. L'onglet, c'est un... C'est justement des pièces de monnaie. Ce que je me disais tout à l'heure. Faudrait que j'aille là, mais je peux pas couper à travers le relief. Oh merde, il fait nuit. Attends, attends, attends. Faut que je lise ma carte là, parce que je suis perdu. Non, faut que je fasse demi-tour et que je passe par là. Ok, je suis pas dans la bonne direction. Il peut y avoir de la bouffe, Tunsen. Ouais, ouais. Il n'y a pas que des morceaux de pièces détachées de véhicules. Il peut y avoir de la bouffe. Là, dans mon stock, j'ai deux sacs de pommes de terre.
que j'ai récupéré justement sur des cargaisons d'ennemis que j'ai abattus. Mais est-ce que t'as connu une scène, la série de jeux? Here I am. Oh merde, il y a un gentil et un méchant. Est-ce que t'as... Oh merde! Est-ce que tu connais le... J'aime bien le... Ouais, mais là j'ai plus de place pour prendre son truc. Ah, ça vaut plus... Attends, 60... Ouais, ça vaut plus cher. Je vais laisser le... Vous voyez, je suis obligé de faire un choix. Je vais prendre la marchandise la plus chère. Voilà, les pommes de terre. Est-ce que t'as connu Interstate? Tu parles de l'onglet? Oui. Non, c'est pas une pièce de viande, l'onglet. Non, non. Merde, qu'est-ce qu'il me dit dessus? Je me suis fait allumer, mais je sais pas par qui. Oh, c'est trop dur. Merde, j'ai dû recharger. Faute... erreur stratégique. Oh là là. Il est pas facile. Ah, puis j'ai un coéquipier qui me couvre. On est encore à 2 km de l'arrivée. Oh, je vais jamais atteindre l'arrivée, c'est pas possible. Bon, je recharge le réflexe. Faut absolument que j'ai ce réflexe tout le temps. Attends, je coupe un peu parce que... C'est con, mais ça a son importance de couper quand on peut, parce qu'avec l'essence... Et ça, c'est pas une place de marché, je peux pas vendre mon matos. Attendez voir. Si, voilà. Et là, j'ai l'onglet, je sais pas si... Non, vous le verrez pas avec mon titre. Mais j'ai un onglet, là, voilà. Là, je peux vendre mon matos. Bonjour, Aeroster, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Interstate, c'est la version moderne d'Interstate. Exactement, je suis content que tu connaisses tes classiques, Tuntian. Ah, Crossout, je le connais pas. Bah, merci pour l'indication, Crossout, je le connais pas. Donc là, je vais vendre le matos que j'ai récupéré sur mes ennemis. Histoire de me faire une rémunération. Mais je vais pas aller loin. Je vais pas aller loin. Faut absolument que je répare mon véhicule. J'ai pas assez de tubes pour réparer intégralement mon véhicule. Juste un petit peu d'essence, mais... J'ai le bouclier qui est encore endommagé. Oh la vache! Le jeu est dur. Ouais, merci, Tuntian. Oui, bien joué. Ouais, bah, du coup, ça archive automatiquement le lien. Merci. Ouais, ça va! Bah, j'ai eu la longue balade que j'ai fait avec le copain Frobos Nainonet hier après-midi le long de la rivière, la Meurthe à Nancy. On vous diffusera dans un peu moins de 10 jours notre périple. Et c'est bizarre, alors que le périple a été plus court que le précédent, j'en sors plus esquinté. J'ai mal aux pieds. Alors pas des ampoules, je me suis écorché vif. Enfin, rien de grave. Et je sais pas pourquoi... Je suis plus pataud que d'habitude. Je pense que c'est encore le contre-coup de la chaleur. Mais ça va, hein, rien de grave. Mais je suis un peu mou là par rapport à mon niveau moyen, on va dire, d'énergie. Bon, voilà. Il se joue en multi et c'est gratos. Ok, merci pour l'info, Tuntian. T'es un chef. Alors, le vendeur, monsieur Gogo. S'il a du boulot pour moi. Alors il dit que c'est dangereux de voyager seul. Ah, si j'accompagne un gars au village 36, il me donnera 370 pièces. Pas maintenant, mais c'est sympa. Alors, Boba qui est un citoyen du monde. Pour 99 pièces d'or, il me donnerait la localisation d'un ancien hôpital. Il y a vachement de matos pratiques là-bas à récupérer. Merde, j'ai une mouche qui me manquiquine. Elle est bonne, celle-là. Non, j'ai pas de pognon en ce moment, je suis fauché. Un jour, je serai riche. Mais... Ah, j'allais dire, il quitte pas la ville.
Alors attendez, je suis à une borne de mon point d'arrivée. Eh, le jeu est vachement cohérent, hein. Quand j'ai réparé mon véhicule, j'ai retrouvé les phares. Les phares avaient explosé. Donc je vous dis pas la punition de nuit. Je suis au début de l'histoire, je joue en difficulté moyenne. Et je suis limite déjà. Je peux pas faire l'idiot. Ah, si je peux voyager sans encombre, je suis bien content. Sur ce coup-là, ça m'arrange, je vais peut-être dégager un petit bénéfice. J'ai ma coéquipière. Bah, les véhicules... Les véhicules me font un peu penser à Midwinter. Un vieux jeu d'os que j'adore, que je considère comme étant le père des Far Cry. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une démonstration sur mon antenne, par nostalgie. Mais pourquoi il est collé à mon véhicule, lui? Quand je vais démarrer, je vais le renverser. Il est fou, ce mec. Attends. Ah non, elle m'a pas donné de thunes. Elle m'a pas donné de thunes! Mince, je me trompe, j'ai changé de caméra. Bah oui! Mais l'autre pantin! Pourquoi il s'est collé à mon véhicule? Tu parles que je l'ai tué, l'autre fragile! Mais pourquoi il s'est collé à ma carlingue? Mais il est débile, le mec! J'ai voulu faire une marche arrière toute douce! Hallucinant! Ah bah elle est bonne celle-là. J'espère que ça va pas me porter préjudice dans la suite de l'histoire. Ah, comment zigouiller bêtement un civil? Bref. Alors attendez, la carte. Trusk East. Ah, c'était quoi la quête Trusk East quoi? Ah! Alors attends, lui il me propose un truc à Zamza, je sais pas quoi là. C'était la ville précédente. Et à Trusk East, c'était qui proposait le... de voyager Non. Non, bah je vais accepter l'offre du barman, je vais pouvoir faire un peu de thunes. Ouais, d'accord. Je veux bien faire une livraison. Donc du coup, je l'ai dans mon... Attends. Oui, bah oui, non, j'ai le chargement. Oui, le jeu Rage. Alors, figure-toi que le jeu Rage, je l'ai fait, moi, perso. Je sais pas si je m'étais enregistré à l'époque, mais Rage, je l'avais fini. J'avais bien aimé. J'avais même acheté l'extension. Get ready to rumble. Oh oh. Oh oh. Il est où le vilain? Montre-toi, vilain. Je t'ai vu. Quoi? Bah, pourquoi ça a zappé? Oups, pardon, je sais pas, j'ai eu un bug. Wow, comment qu'elle l'a explosé d'un coup? La violence. Elle est vachement bien, ma partenaire. Là, faut que je recharge. Je sens que je vais me faire avoir plus d'une fois d'oublier de recharger mes flingues. Avant de repartir sur la route.
C'est une ancienne raffinerie, ça, non? I know he is here somewhere. Are you sure there are no other settlements in this area? Actually, there is one more village, Gluko, but you won't find any customers there. It is up to me to decide. How can I get there? It's in the north. Close enough, but there is no direct way. We'll have to go through south again. I'm tired of following your slow car. From now on, I will go alone. Here's your reward. Bye. Ah merde, je vais me séparer d'Alice. Ah, elle refait cavalier seule. Ah la vache, son véhicule était bien. Fast. I gotta go home. Mon véhicule qui flambe. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai reçu 200 pièces d'or. Voilà, attends. Je rentre dans le village. Je vais faire des affaires. Non, mais moi, il est mieux. Donnez-moi de la thune. Alors, entretien du véhicule. Voilà, ça y est, j'ai refait plein d'essence. J'ai réparé intégralement mon véhicule. Il me reste 154 pièces d'or. On y croit. D'ailleurs, il faudra que je sauvegarde. Je suis pas sûr que la sauvegarde soit automatique. Le bar, le crabe? Non, sérieux? Un révolutionnaire. Elle est bonne, celle-là. Bonjour, voyageur. Alors, vous avez des nouvelles? Merde, j'ai zappé trop vite. Tout est parfait. Ah, ils sont heureux ici. Ah bon, bah c'est parfait. Alors, monsieur le révolutionnaire, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai un camion, monsieur. Quoi? Un raid pour punir un... Oula. Il veut que je donne une correction à... Allez, l'aventure, c'est l'aventure. Alors, attendez. Oui, j'ai une nouvelle quête, mais il faut que je sauvegarde. Comment je dis que je veux sauvegarder dans le menu, là? Je sais plus. Non, ça c'est le bouquin. Oui, ça c'est les quêtes. Tac, tac, tac. Donner une leçon au brigand. Excellent. Ah, j'ai un colis à livrer, moi. Aza, Azaza. Ah oui, la ville précédente. Oui, bon, on va aller à Azaza après. Non, faut que je fasse échappe pour sauvegarder. Oui, bah je sais pas, je vais prendre une ancienne sauvegarde. Voilà. Alors, attendez, je suis un fragile. Il faut que j'aille au mauve. D'abord le mauve. C'est sur la route. Attends. Je veux livrer le colis. Lali. Oh, il y a encore plus d'un kilomètre. Sniff. Dangereux, c'est où? Oula. Il y a un truc à récupérer? Je suis mon charognard opportuniste. Non, vu la manœuvre que vient de faire le véhicule, à mon avis, il a déjà récupéré les restes. Ce qui est parfaitement son droit. Hein. Ah non, il n'a pas tout récupéré. Mince, pardon. J'ai récupéré... je sais pas quoi. Ah bah merci, vous avez fait le boulot pour moi. Merde, il y a un ennemi derrière. Il où le salopard? Il est là. Attendez, je vais vous aider, les gars. Et ben voilà. Il donnait du matos. Oui, il donnait du matos. Ouais. Ça vaut le coup de... Vous savez, d'observer les batailles à droite à gauche. Il faut vraiment... C'est horrible, mais il faut que je fasse mon charognard. D'ailleurs, qu'il faut que j'aille récupérer le...
Le matos par opportunisme. Attends, je suis sur la bonne voie, moi? Merde, il y a un ennemi qui arrive. Je suis pas du tout sur la bonne voie. Je me suis planté de zone. Attends, non, oula, doucement. Il y a un vilain, mais je le vois pas. Ah. Next, please. Le suivant, déjà. Oula, il est fou, lui. En fait, je suis en train de faire la quête du mec qui disait faut donner une correction à... Oh. Bah bonjour la déforestation. It's showtime. Oh merde, ça veut dire que la cavalcade arrive. Bah vous me direz, je m'en sors bien, je suis quasiment intègre. Et le radar est indispensable. Vous le voyez que partiellement, moi je le vois évidemment intégralement par rapport à mon habillage de chaîne, mais le radar est indispensable. It's showtime. Oh la vache, oui. Waouh, oui, il y a du peuple. Alors, ok, j'ai pas le temps de tirer. Ah oui. Oh, magnifique. Now they'll think twice before attacking our village. Ça y est, le révolutionnaire, il est content, j'ai fait le boulot. Ah, oh, j'ai reçu 100 pièces d'or. Je n'ai plus de place. Oh! Oh, attendez, là, ça devient intéressant. Il y a du matos de meilleure qualité que je n'ai, moi. Oula, je vais commencer à me déséquiper. Ah, attendez. Alors là... Eh, ça, je l'ai pas. Et ça vaut beaucoup plus cher comme flingue. Ça tire à 1 km. Alors que moi, je pouvais tirer qu'à 500 mètres. Popopo, la violence. 136, 140... Je regarde évidemment la valeur marchande, hein. Pas fou le Mickey. Hein. Pas fou. Oh, je vais me faire de la thune. Ma partie commence maintenant. Eh, le bois vaut cher. Hein. 70 pièces d'or. C'est dingue. La nourriture et les produits de base valent parfois plus cher que la camelote de flingue. C'est incroyable. Ça, je vais l'abandonner, là. Waouh, trop bien, j'adore. Donc ça, c'est de la camelote normalement. Ouais, ouais. Ok. Ah, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu. Alors, est-ce que je peux reprendre ma route par là, moi? Ou je fais une grave erreur? Je pense que je peux couper. On va voir si le relief est avec moi. Attendez. C'est bizarre, il y a des petits temps morts dans le jeu. Il fait des chargements à l'arrache. C'est assez bizarre. Mais non, je peux couper par là. Oui, je suis en train de foncer sur mon objectif, c'est parfait. Ah oui, c'est le patelin qu'il faut que j'atteigne. Merde! Ah! Salopard! Va mourir! Ouch. C'était quoi qu'il avait, lui? Non, c'est de la camelote qu'il avait. Au revoir, monsieur châssis en feu. Machine n'importe. Oh, c'est quoi ça? Matériel agricole. On dirait une tête de moissonneuse. Oh, je recharge mon flingue. Attendez, il y a du matos partout, je vais pas renverser. Déjà que j'ai tué un civil, accidentellement. Parce que le civil était débile. Oh, j'ai reçu 250 pièces d'or. Cool. Ah.
Waouh! Ah, ce n'est pas à vendre. Ah, ils achètent. Eh! C'est pas con, je suis en train de comprendre. Les villes sont demandeuses de beaucoup de matos. Et en fonction de la loi du marché, c'est d'une ville à l'autre, il y a du fric à se faire. Excellent. Je sens que ce jeu va beaucoup me plaire. Ah, ça va vite quand même. Alors, mon camion est à 9, mais j'ai plus que 135 pièces d'or. Le vendeur, monsieur Gogo. Allô, voyageur, est-ce que tu as du boulot pour moi? C'est dangereux de voyager seul. J'ai un nana qui va aller au village Trotsky. C'était sûr de. Non, je te donne 370 queen. Je veux bien. Alors, monsieur Boba, il propose quoi? Non, je veux pas. Je m'en fous de. Quoique. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Si à un moment je veux faire la quête de l'ancien hôpital et récupérer du matos. Surtout que je pourrais être amené à découvrir la localisation par inadvertance. C'est vrai que j'aurais pas à verser 99 pièces d'or. Qui Quel est le maboule qui arrive dans le village? Ah bah, s'il veut donner de... il a de la marchandise, je vais la revendre. Pas folle la guêpe. Quoi? Comment ça, une belle mort? Attendez, je comprends plus. Pourquoi il se barre? Ah, il faut que je suive le scout! Merde! Il faut que j'escorte le véhicule. D'accord. It's showtime. Ok, oui, ça fait partie de leur de mission. Wow, il est costaud lui. Oh la vache. On continue. Pas évident. D'accord. Ah oui, il a déjà perdu la moitié de son énergie. Oh merde. Ah, pas mal. Qu'est-ce que... Oh merde. Ah oui, j'ai une merdouille à 19. Je vais prendre celle qui vaut mieux. 54. Oh merde, il est quasiment mort le gars que je vais escorter. Oh, ça craint du boudin. Tant pis, lui il respecte pas les routes. Allez, vas-y que je te défonce les rambardes. Il se prend pour la vachette d'Interville, le gars. Qui est. No. Ouais, j'ai même pas le temps de vérifier le matos parce que. Putain, mais il est loin! Attends-moi! Ça y est, mission accomplie? Ah ouais. Accompagner la caravane jusqu'au village trotskiste. Ouais. Wouh! Ah, je veux bien des réparations là, j'ai un petit peu morflé quand même. J'ai pas mal dégusté. Alors j'ai 500 pièces. Ah bah c'est bien. Là il me reste 270 alors que je suis remis à 9. Mais j'ai pas vendu ma marchandise.
J'ai pas vendu ma marchandise. Je me trouve à 700 pièces d'or. Ça sent bon. C'est un jeu assez... comment on appelle ça, quête FedEx, vous savez. Aller du point A au point B pour faire tel ou tel truc. C'est un petit peu... C'est redondant, faut bien l'avouer. Mais par petite dose, le jeu là, de temps en temps, peut-être pas tous les week-ends, il me plaît. Mais attends, est-ce que je peux acheter des armes? Ah ouais. Non, mon truc il est bien. Mais attends, le coup du virage. Non, bah non, j'ai pas les boutons dessus. Mais il y aurait visiblement par endroit moyen d'acheter des extensions. Oui, c'est mon... Ouais, c'est mon flingue actuel, d'accord. Ah, je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre le coup du... Pourquoi il faut 6 touches pour les flingues. Il y a 6 armes différentes. Il va falloir qu'à terme, que je repense à ma gestion des flingues différemment. Ça va être particulier. Ah, merde. Minute. Ça va être très particulier parce que... Si je regarde les contrôles... Fire Group... Je peux pas faire basculer d'une arme à l'autre. Il n'y a pas visiblement. Ah, il va falloir que j'y réfléchisse plus tard. Ouais, je vais sauvegarder la partie. Là. Ouais, ça va pas être évident. Eh bien. Oui, mais non, je suis bête, je retourne là où je... Bref. Alors, est-ce qu'il a des nouvelles, lui? Non, tout va bien. Ok, ok. Donc, la carte, la boussole. Ah ouais, il va falloir que je refasse toute la route pour remonter à Gluxo, revoir le père. Waouh. Encore qu'il y a l'air d'avoir une route, mais je suis pas sûr. C'est pas évident de lire les cartes. Bref, il faut que je fasse demi-tour tout, quoi. Alors, attends, demi-tour... Merde, j'ai encore renversé un mec. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Faut pas que je percute, lui. Alors, si j'ai bien compris, c'est qu'une première carte, là où je suis. Et il y a d'autres cartes, en fait. Il y a d'autres régions, on va dire. Ah, ouais, je vais rejoindre la route principale. Ouais, tu pars à l'autre bout de la carte, tu m'étonnes que je suis à plus de 3 bornes de mon... de ma destination. Ouais, la musique est sympa. Ah, je roule à 90 km/h.
Et bah là, je peux faire du commerce. Je vais faire une halte dans la ville. Non, valeur marchande, j'ai une meilleure matos. Ouais, je peux faire un petit plein d'essence. Ok. Oh, bravo! L'autre qui arrive à plein tube et qui percute la baraque. N'importe quoi. Alors, normalement... Ouais, ça se tient. Ouais, bah je vais faire la grande route. Je vais faire le tour de la carte. Mais qu'est-ce qui me barre la route, lui? Ça m'a l'air pas mal scripté parce que, en dehors, vous savez, de déclencher une mission, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis qui apparaissent spontanément. Ça, c'est. C'est moyennement crédible, c'est un petit peu dommage. Enfin, je me prononce peut-être un peu trop rapidement, mais... comme c'est ma première heure de jeu, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis qui apparaissent spontanément. Il faut que je déclenche une mission pour qu'il y ait de la cavalcade. Ça, c'est un peu dommage. Ça perd en réalisme, crédibilité. Oh la vache, la sortie du pont. Après, on va faire un jeu de Paris-Dakar. Ça y est. Pardon. On est à deux bornes et quelques. Le point fort que je trouve au jeu, c'est le cycle jour-nuit qui a l'air d'être bien géré. Peut-être qu'on va avoir la bonne surprise de voir qu'il y a un cycle au niveau de la météo. Ce serait pas mal du tout. On sait jamais. Je fais une halte dans toutes les étapes parce que... Pour peu que je trouve des opportunités... On va pas cracher dans la soupe. Oh la forteresse. Vache. Pas mal le matos, pas mal. Ah, y a de ces trucs. Donc ils sont pas compatibles avec mon véhicule actuel, mais... Eh, hey, là je peux acheter des extensions de véhicule. Quoi, c'est le véhicule neuf? 1400 pièces. Alors que j'en ai que 685. Ah ouais, je peux carrément acheter un véhicule. Mais je peux m'acheter une extension. Ah. Wow, les prix. Wow. Ah, body space. J'ai 20 emplacements. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Ah, il y en a d'autres? Ah ouais! Waouh! Ah, remorque. C'est... Enfin, j'allais dire c'est plus accessible, non. Non, parce que j'ai pas la thune. Oh merde! 24. D'accord, donc... là, je gagnerais que, entre guillemets, 4 emplacements de stockage. Je suis à 20 cases et là tous les modèles là ils me proposent de passer à 24. Sauf que j'ai pas la thune. Mais y a pas de possibilité de rachat.
Oh la vache! Ah ouais, tu m'étonnes! Ah ouais, la durabilité, elle a son importance! Oh, c'est génial! C'est génial! Ah, Sergio le vendeur, qu'est-ce qu'il y a? Le barman, qu'est-ce qu'il a à me dire? Allez, je fais l'aller-retour pour 250 pièces. Et puis si je réussis ma mission sans trop de pertes, je vais peut-être pouvoir m'acheter mon amélioration. Allez, c'est parti, soyons fous, il faut que je sauvegarde. Ouais, c'est vrai que c'est pas pour maintenant, mais il va falloir que je songe sérieusement au coup d'avoir 6 armes en simultané. C'est vraiment la version moderne de Interstate. Hein. What? Oh la vache, il est en feu le mec. You can die. Et merde. Je vais rester près des canons alliés. Bizarre, je vois pas l'ennemi. J'ai entendu la menace, mais... Ah, marchandise. Ah, des pommes de terre. Ah, tu parles. Alors, attends, ma carte. Il faut que je lise ma carte. Ah, faut que je revienne en arrière pour... Ouais, bon. Allez. Non, c'est un gentil, lui. Ah, il faut que je me dise que c'est le américain. On roule à gauche. D'accord. Enfin, non, anglais, pardon, anglais. On roule à gauche, ok. Quoi? Oula, il y a eu un gel du jeu. Bon, ça c'est une station service, mais ça va, j'ai pas mal d'essence. Eh bien. Bon, ça va. J'ai fait plus de la moitié du parcours et je me suis pas fait allumer. C'est presque un cadeau cette quête. J'aime bien comment il triche en coupant. On sait que l'essence est précieuse, mais quand même. Ouais, voilà, j'ai reçu de la thune. Bon. C'est très... Très, très quête FedEx. J'ai rendu ma marchandise. Oui, non, je vais... Ouais, je peux pas voter. Hop, j'ai refait de l'essence. Moi, je repars en sens inverse, à moins qu'ils aient une quête intéressante au bar. Non, lui, oh, il me propose sa carte de l'hosto, là. Est-ce qu'il y a du boulot pour moi? Ah! Ah oui, mais si je retourne chez les Trotsky, je retourne exactement en marche arrière. Bon, j'avouerai que si je fais cette quête, que je reviens ici, je vais acheter l'emplacement de l'hôpital du mec. Enfin, toujours ça de prix pour 14 Spacer, et je retournerai chez le père. C'est des missions secondaires avant de continuer la mission principale. Bon, c'est pas. Alors attends, il faut que je suive lui, c'est ça? Attends, où est-ce qu'il va lui? Oh, ils savent pas conduire, non mais ils sont barges. Oui, t'as raison, j'allume les phares.
You can die. Et merde. Oh la vache, comment il est explosé. La violence. Oula, oui, non, c'est des méchants. It's hot. Merde, recharge. Voilà, très bien. Oula, il y a trop de trucs. 70, 60. Non, attends, pommes de terre, je leur laisse et je prends du bois qui vaut plus cher. J'aurai plus de fric. On continue. Où est-ce qu'il est? Il est parti là-bas. Oh. Bon, là au moins. Ah, je l'ai préservé. Il est intègre, le scout. C'est bien. Bon, j'ai rempli ma mission. C'est moi qui ai morflé. Ah, je dégage un joli panache de fumée. Je me suis fait un peu allumer. Ah ouais, ça paie bien. 370 pièces d'or, ouais, cool. Alors, je répare mon véhicule. Voilà, là, j'ai mine. Mais, j'ai pas vendu la marchandise que j'ai embarquée. Justement, les pièces de mes ennemis. Voilà, hop, je les revends. Hop là. Ça fait 1700 pièces d'or. C'est bien. C'est cool. C'est répétitif, je suis d'accord, mais... À petite dose, ce jeu, c'est une véritable sucrerie. C'est un régal. Trop bien. Trop bien. Alors, attends. Oups. Attendez, pardon. Je vérifie deux, trois trucs. Hop là. Alors, sur la carte, évidemment, je suis revenu là, je repars en sens contraire, bah c'est rebelote. Mais dès que je retombe dans la ville, il faut absolument que je... Que j'achète mon extension de remorque. Je pense qu'avec l'extension de remorque, je pourrais désormais non plus prendre 4 objets en moyenne, mais 6. Qui va évidemment augmenter ma marge de rentabilité. J'ai bien pensé. Donc, pure logique vidéoludique. Ah, je me familiarise assez rapidement avec la, avec les lieux, on va dire. Puis l'interface, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pour une première heure de jeu, j'ai vraiment une bonne impression. J'ai vraiment une mouche qui m'enquiquine. Elle a dû rentrer chez moi durant la nuit, là, c'est pas possible. Quand j'aérais. Mince, attendez, je me trompe de route. Enfin, je sors de la route. Il faudra que j'expulse la moumouche, là, parce qu'elle me gave. Merde! Just a scratch. J'ai endommagé mon véhicule en merdant mon virage. Bien fait pour ma tronche.
Oh, quel abruti je fais. Ouais, j'ai endommagé la cabine de pilotage en fait. Oh là 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 là, n'importe quoi. Yeah. Ah, aventurier. D'accord. Ah, la ville. Non, elle est après le pont, la ville. Non, je croyais qu'on roulait à droite. J'y comprends plus rien. Enfin, qu'on roulait à gauche, justement. Enfin, je comprends plus. Bref. Je suis plus assez prêt. On roule comme on peut. Eh, hey, c'est risquer sa vie d'être... Oh. C'est risquer sa vie que de... Là, j'ai... Des fagots de bois que j'ai récupérés sur la route. C'est risquer sa vie que de se promener à pied dans cet univers hostile. À moins d'être neutre ou en amitié avec tout le monde, mais... Non, il y a une petite atmosphère à la Mad Max qui est pas pour me déplaire. Encore du matos ? Oh, des pommes de terre cette fois-ci. Ah oh, bah j'ai pas perdu, ça fera mes réparations. Bon, je crois que je peux fermer les phares. C'est éclairé ici. Des coups de klaxon pour entrer dans la forteresse. La forteresse marchande. Je me demande si le klaxon ne peut pas exciter les ennemis. Je m'interroge. La réparation. Ah. J'ai presque 1900 pièces d'or. Donc là, je vais acheter mon extension. Ah non, merde. Celle qui m'intéresse, c'est la 1934. Je peux acheter moins cher, mais moins cher, ça veut dire un moins bon blindage. Oh là, fais la poule, il me manque 35 pièces d'or. Ça fait suer quoi, il manque 35 pièces d'or. Oh là là là. Ah bah là vous voyez, je regrette le fait d'avoir percuté la baraque dans mon histoire. Ok, ma durabilité actuelle, elle est de 5. Le modèle que je convoite va être à 32. Oh la vache. Par contre, le tonnage n'est pas le même. Je vais passer de 15 à 40. Oh. Ouh là là. Oh, je vais refaire, tant pis, je vais refaire une mission. Le barman, il a rien. Ah non, ils sont contents, il n'y a rien. Ah merde. Bah je vais peut-être flâner un peu pour essayer de trouver du... Ce que je peux trouver. Quoi? It's morning. Ah, c'est le matin. D'accord. Petite sauvegarde. La vache.
Je sais pas si vous l'entendez, j'ai mon pied qui est pas loin du micro et j'arrive à faire claquer ma cheville. Je vous dis, je me suis esquinté hier dans la promenade. Je sais pas comment, mais... Où je retourne voir le père maintenant. Oula, oula, oula. Ah, il est pas si loin que ça. Donc attends. Oui, c'est à Swoot où je peux acheter du meilleur matos. Faut que je, vraiment, que je mémorise la carte. Donc là, je vais aller d'ouest en est. Merde, qu'est-ce qui se passe? Here you are. Don't you know that every new trader must pay me taxes? Quoi? The first payment is 1,000 coins. Une taxe de 1000 pièces d'or? Non mais il rigole lui. C'est du racket. Are you crazy? I've never seen such a sum. Bah oui, j'ai pas cette somme. Enfin, il est pas censé savoir que je l'ai. Well, you pay. You live. You don't pay. Attack him. You're gonna die. Okay. Ah. You're gonna pay for this, youngster. Felix will find you anywhere. Retreat. Alors c'est scripté, mais d'avoir liquidé d'abord le véhicule du chef. Alors d'avoir liquidé en premier le chef, en fait, il y a une piéta japonaise. C'est-à-dire que... Alors, non, j'exagère quand je dis qu'il y a une piéta japonaise. Parce qu'ils sont partis en retraite, les subordonnés. Mais c'est intéressant. Comme quoi, de l'importance de repérer le leader du groupe. Mais là, bon, c'est scripté. Je sais pas si ça marchera les autres fois. Et la piéta japonaise, en fait, c'est quand le haut gradé militaire, on va dire, pour faire simple, était tué sur le champ de bataille. En général, ses subordonnés se suicidaient sur place, par déshonneur. C'est japonais. Hein. Donc nous, en français, on traduit ça par une piéta japonaise. Oui, attends voir, oui, peut-être me réparer. Ah oui, les salopards, là, ils m'ont coûté cher. Mais bon, allez, je me suis remis à neuf. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, je me pose déjà la question de savoir si ce jeu a une fin. Je pense que dans le trame scénaristique, oui. Mais est-ce qu'on a le droit d'être en mode libre après, à la fin du jeu Oh la vache, la guerre. Oh. Oula. Oh, il est trop bizarre le pont. Oh oh. Oh, c'est moche. La ferme familiale qui est flambée. Bande de vilains. I can't believe my eyes. Everybody's dead. What monster could do it? Quel est le monstre qui a fait ça? There's only one thing I can do. Avenge. I will find you, murderer. Eh oui, faudra trouver le coupable. Wait. Felix was angry with me the last time we met. He had the motive and the means to do it. He won't get away with it. Bah oui, c'est le coup du racket avec Félix. Merci, j'ai bien compris. Mais je vais retourner en ville, du coup. Je vais retourner en ville. La musique est pas mal, hein. Petite ambiance rock là.
Whoop, 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 whoop. Oh oh oh, comment il a giclé. J'ai bien aimé. Alors du bois et des patates, décidément. De bois et des patates. Oh, faut que je fasse gaffe, mon véhicule a pas mal dégusté là. Il y a un tiers du blindage qui est parti. On dirait avec une approche frontale, c'est pas très malin. Ouch. Je vous confirme, je sens bien mes jambes au lendemain de la promenade. Ah oui, non, la ville. Non, mais c'est abusé. Alors ça, c'est un abus de langage quand ils disent vous pouvez entrer dans la ville. C'est une station... Faut pas que je la refasse, celle-là. C'est une station-service. Ouais, ils abusent. C'est pas une ville. Bonjour, monsieur Poupon. Oui, alors raclette, je sais pas. Mais dans ce jeu un peu à la Mad Max, là, qui est un noble héritier de Interstate, il y a une ambiance à la Mad Max, et en dehors des flingues ou des pièces détachées des ennemis à récupérer et à revendre, et à recycler, il y a des vivres à gérer. Et en ce moment, je fais pas mal dans le bois et dans les pommes de terre. C'est le jeu. Hein. Eh oui, bisous, bonjour, monsieur Poupon. Mais le jeu me plaît. C'est exactement le genre de jeu que j'adore. Allez, je vais retourner dans la cité forteresse. Bon, Avenizer, ça va, c'est gentil. Alors, je vais d'abord réparer mon camion, encore que... On va voir si j'ai suivi un en dessous pour... Pour acheter l'extension que je convoite. J'aimerais améliorer mon véhicule, mais ça coûte une blinde. Que là... Ah si, là j'aurai la thune. Ah, j'ai la thune. Ah, je savais pas, mais si, il y a de la revente. Il y a de la revente. Wouah, trop stylé. Ah bah ça me change de ma remorque de chiotte là en bâche. Là, elle est blindée, ma remorque. Non, Mad Max, c'est pas pour moi. Je le ferai peut-être dans très longtemps, Mad Max. Peut-être, hein. Mais j'ai vu, un peu. C'est... Il m'attire pas tant que ça, Mad Max. Pourtant, j'aime bien les films, hein. J'ai vu les 4 films. Mais... Attendez. Voilà, je refais le plein d'essence et je répare mon véhicule. On a plus de 170 pièces d'or. Oui. Attendez. Voilà. Alors, c'est contradictoire, mais le bar est l'endroit le moins bruyant du jeu. Entre la place du marché et le garage, c'est un vacarme d'enfer. Alors que le bar... Tranquille. Je peux parler. Mad Max, je le ferai dans très longtemps. C'est pas sûr que je le fasse. Parce que j'ai déjà vu du gameplay. Il est beau, je suis d'accord. Mais... Il m'attire pas plus que ça, du moins pas maintenant. Alors que celui-là, je trouve que c'est vraiment le digne successeur des Interstate. Et extra. Et puis là, il y a une scène tout à l'heure qui m'en a parlé d'un autre qui est gratos, qui est Cross Out. Il faudra que je m'y intéresse. Il serait dans le même genre. Mais je suis content. Là, pour ma première partie, difficulté moyenne, je trouve que j'évolue bien dans le jeu. J'avance bien. Et je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Quoi? Ah oui, Gluckau Destroyed. On est détruit, ok. C'est quoi ça? C'est des objectifs? Attends, on va pas me dire que j'ai loupé un objectif, bah non. Non, il faut que je me venge de la mort de mon père, on est d'accord. Ah, bah sans savoir, je suis au bon endroit. C'est au bar que je vais avoir des infos sur la mort de mon père. D'accord, dans le scénario. Ouais, en 2038 après Max, ouais, bah ouais. Alors le barman, est-ce qu'il sait? Non, il est pas bavard le barman. Par contre, le chauffeur routier... Oui, alors je me... Oh! Le personnage me fait flipper.
C'est terrible et machin. Donc j'ai tout perdu, tout a été détruit, mon père a été tué. Alors je veux venger mon père, calme-toi, qui me répond l'autre. Alors une plus grande puissance en détruisant, sera facile de te tuer. Ce sont des assassins hyperon. Je déteste les raiders, je sais pas comment traduire en français raiders. Les fous furieux de la route là, les vandales de la route, on va les appeler comme ça. Alors Félix est un homme dangereux. Je vais aller débusquer Félix et son gang dans son patelin. Oh yeah! Oh, la mission va être balèze à mon avis. Il faut que j'aille où? Attendez. Il a Zanka le mec? Va chercher un armement plus puissant avant de mener l'assaut. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, sinon tu m'as l'air en forme. En forme de quoi par contre? Ouais. Oui, alors. C'est ce que je disais au début de ma prise d'antenne. Tout est relatif. Je vais bien dans l'ensemble, merci. Mais je reconnais que j'ai un peu un fricassé au niveau des muscles, des os, au niveau de mes jambes. C'est bizarre, j'ai un contre-coup plus violent pour la balade d'hier comparé à la toute première que j'avais faite. Parce que là, en gros, j'ai marché 6-7 heures avec Froboz hier. Alors que la première promenade, on avait marché un total de 9 heures. Et là, je ressors plus esquinté lors de cette plus petite promenade. Alors qu'en plus, on était sur du plat. Bref, c'est bizarre. Mais sinon, ça va. Mais je reconnais que là, j'ai mal. Je me suis écorché à un pied. Et j'ai pas d'ampoule. Mais j'ai musclé les os qui me travaillent là, au niveau des tibias. Ça fait du bien, ça entretient. Bref. Bien hydraté, ah ouais, hier j'ai bu... Alors, le temps de la promenade, j'ai bu 2 litres et demi. J'avais ma petite bouteille d'un litre avec du sirop au départ. À un moment, j'ai carburé au Perrier de petite canette qui m'a été offerte par Froboz, qui est adorable. Et j'ai fini la fin de mon périple avec une bouteille d'un litre d'eau minérale, mais je suis pas arrivé jusqu'au bout. Je l'ai terminé quand j'étais rentré chez moi et douché. Et alors si, au-delà de la... On va dire avec l'après-coup, j'ai bu 3 litres hier. 3 litres de flotte. C'est bien pour le corps. Ça élimine. Je me suis rincé de l'intérieur, c'est cool. Le périple était bon. Et je pense que j'ai mieux filmé que la première fois. Je pense qu'on va faire 2 soirées commentées. On va faire l'aller en 3 heures et le retour en 3 heures aussi, en 2 soirées. Je vais pas faire 6 heures d'un coup, c'est trop. C'est bien, ça fait durer le plaisir. Donc je pense que la première fois, je vais commenter avec Froboz et Nonette dans une semaine. Samedi prochain, samedi soir. Je pense, c'est pas sûr, mais au niveau du calendrier, je pense qu'on va s'organiser comme ça pour la première partie. On vous fait ça dans tout juste une semaine. Oula, 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 on arrive de front, arrêtez. Oh, trop stylé mon nouveau véhicule. Oh, trop bien. Punaise, il est 6 fois plus robuste que ma remorque précédente avec la simple bâche. Ah, c'est le bonheur. C'est le bonheur. D'ailleurs, je sais déjà plus si j'ai sauvegardé ou pas. Je préfère hein. Plutôt 2 fois qu'1. Il faut bien boire après également. Oui, bien sûr. Non, mais très bien. Aucun malaise. Hein. C'est juste que j'avais un peu mal aux pattes, quoi. Pour résumer. Et j'ai l'impression que camarade Froboz Nainonette, là, qui m'a accompagné, je pense qu'il s'en est encore même mieux sorti que moi. Il m'a pas donné l'impression qu'il était. Alors, il était fatigué, mais la fatigue normale, quoi, de fin de balade. Je pense que lui, il a pas eu les douleurs que j'ai pu avoir. Quoique, je vous avouerai qu'une fois qu'il est rentré chez lui, je lui ai pas posé la question. Je lui poserai sûrement la question demain. Demain, on fait un jeu en commun avec FunFan en début d'après-midi. On va se faire le... A4, on va se faire le... Le Gauntlet.
On va jouer à 4 et il sera de la partie, donc je lui poserai la question quand on sera en com vocal. Attendez, je me suis fourvoyé là, je suis pas au bon endroit. Non, je me suis trompé de route. Oh, le crétin que je suis. Je me suis planté de route, moi. Oh là là, je me suis planté de route. Faut que je fasse gaffe parce que ça me coûte du pognon en essence. Oh là 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 là, que je suis bête. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais déjeuner tout à l'heure et je pensais me faire des croque-monsieur. Mais je viens de me rappeler que j'ai une assiette de reste à finir d'abord. Donc je me ferai pas les croque-monsieur aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que j'ai... Ah si, il me reste un peu de pain. Il me reste un peu de pain de mie, mais... Faut que je regarde mes dates de péremption. Non, à mon avis, les croque-monsieur, ça attendra la semaine prochaine. Mais rien que d'y penser, j'en salive déjà, ça me donne faim. Parce qu'à part mon café au lait de ce matin, j'ai rien avalé. J'en éprouvais pas le besoin, donc je commence à avoir faim. Ce qui est pas plus mal. Ouais, voilà, oui, parti au fourneau pour miamer. Bah oui, bonne app, bonne cuisine. Merci, à plus. Et ah, il m'a fait peur, lui. Mais c'est bizarre ce jeu, il roule n'importe comment. Un coup il coule à droite et... Il roule à droite et il roule à gauche sur d'autres routes. C'est bizarre. Ah, copain, copain. Alors là, je tourne ou pas? Merde, je suis où? Ah oui, faut que je tourne. Ah, là-bas, j'y suis jamais allé. Tiens, tiens. J'adore ce virage, à quel point il est coupé. En fait, ils peuvent redessiner là où il y a le goudron, c'est ici qu'il est. Il y a une différence entre ce qu'il y a au niveau des textures et en fait, au niveau de l'intelligence artificielle, le tracé, enfin la trajectoire de la route. Il y a un décalage, c'est rigolo. Alors, il faut que j'achète un meilleur équipement ici, d'accord. Pour dans l'histoire venger mon père. Ok. Déjà j'ai refait plein d'essence. Alors là il me reste 142 pièces d'or. Attends, j'ai pas de la marchandise? Mais si j'ai de la marchandise, je suis bête moi. Quoi? Le bois 308. Non, sérieux? Ah ouais. Oh, le bois coûte vachement cher ici. Je viens de faire une affaire. Je viens de faire une affaire. Waouh. Je suis impressionné. Alors, le vendeur gogo. Est-ce qu'il peut me dire des trucs? Alors, pas maintenant. Attends, je vais peut-être avancer dans la quête principale. Boba, il dit quoi? Ah, c'est lui qui veut me vendre le truc de... Allez, je lui achète sa carte de la... Alors, il est où l'hôpital? Je sais pas où c'est. J'ai acheté un truc, j'arrive même pas à voir le bénéfice de mon schmilblick. Bref, tant pis. Le barman, il propose quoi? Oui, je cherche à descendre Félix.
Bon, je vais accepter la quête secondaire là parce que la quête principale, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Là, sans déconner, j'ai pas compris. Ah, c'est alors ça, c'est l'antre du d'accord du mec. Ah, c'est ça l'ancien hôpital. D'accord. Ah. Bonjour, Tanner. Je vais dire Tanner. Hello, Tanner. Welcome. je vais peut-être aller voir l'ancien hôpital d'abord. Ah, attends, demi-tour. Attends. What? Par où je passe? Ah non, je pense que je vais devoir faire de la route. Je vais devoir faire de la route. Not French, but hello. Oh, I can try to speak later in English. I'm bad to translate, but I can try. Don't worry. You're welcome. Ah, je vais essayer de chercher de la marchandise. I have French friends too. They are all nice. You are also nice. Thank you. Now I have a secondary crest. I try to find Idems, catch him and sell this to have more money. It's a funny game. Not really easy. I'm playing in a normal difficulty, but I think it's the next story. Older game called Interstate. I don't know if you know Interstate. I like this. It's a little Mad Max atmosphere, I think too. Making money is what you must all the time. Of course, and FedEx quest from point A to go in B point. It's game. It's funny. I'm lost. I see my map. Oh, I'm a stupid guy. Wrong way. Non, là, j'ai fait fausse route. J'ai fait fausse route et...
Je finis vraiment par me familiariser avec la carte, mais j'ai encore un peu de mal. It's a small and nice game. Ouais, I think too. It's a predecessor of Crossout. Same developers. Ah, very interesting your information. Thank you. Same developers. Preview chime. This morning. It's morning in France. I don't know where you are in the earth. But a friend in previous times say me cross out game exist. Alors, at the beginning, Atasso got lost very often. No minimap, sadly. Oops. Also, morning here. Okay. Perfect synchronization. Whoa! Wait. Ah! Get ready to rumble. Okay. Oh. Uh-oh. Uh-oh. It's dead. Yoo-hoo! I'm stronger. Where? What? Attends, il est où? Ah! Ok. C'est la guerre! It's a war! Ouch. Ouch. Alors, attends voir. Oula. Hop. Ouais, mais c'est un lieu hostile. Ah, vache. Oh! Facile. Easy. Oh, nice. Ah, ok. Ouf. Woo. Ah, mince. The big deal. Ah merde. Wow. Very expensive. Ah, là ça vaut cher là le truc. Tac. Wow. Ouais, je sais pas. Alors attends. Là, tu pars de ton pièce. Ah ouais. Du bois. Ok, wood. Oh merde. Ah! Salopard, il est en train de m'allumer. Wow. Oups. Ok. Ouais, mais j'ai pas... Attends, c'est... Oups. Attends, c'est bizarre. Non. Le truc qui se consume totalement.
Et je peux pas... Attends, c'est bizarre. Roach, Trotsky. Ouais, c'est bizarre. Oh, l'état du véhicule. Ah, oh, mon dieu. Youhou, my broken car. What? Je suis là, donc il va falloir que je prenne à droite. Non, j'ai bêtise, non, c'est l'inverse, à gauche. Oh là là. Ouais, je vais me faire réparer. Better repair before the bandit get you. Well, of course, yes. Yes, I need. Wow. Alors. Bonjour Fanfan, comment vas-tu? Ah. Alors je garde celui-là et je vends le reste. Tac, tac, tac. Alors réparation. Nice. Bien. Alors, hello traveler, any news? Nanana, ok. It's gonna be a ride tonight. Ouais, ça va, c'est cool. Oui, j'y pense, fan. J'ai remis à jour mon agenda dans mon Discord. Par rapport à ce que tu me disais, tu décales en gros de 20h à 23h. Du coup, je déclare mes billets non plus vers 20h le samedi, mais à 19h. Moi aussi, je me suis décalé d'une heure. Alors, Tanner nous dit « You can also right-click them, you have to sell them. » You can also right-click them, you have to sell them. Ok! Ah, thank you. Ah, oui, good advice. Ok, thanks. I need to save. Book. Override. On réécrit par-dessus une ancienne sauvegarde. Alors j'ai fait une fausse manip dans le téléphone. Je sais pas pourquoi. Je l'ai mis à midi au lieu de 11h. Ah, décalage, ouais. Enfin, décalage. Horaire d'hiver, je pense. Ou t'as changé de fuseau horaire, peut-être, ouais. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Ah, il est où le salopard? Non, il faut que je continue sur la route et que je revienne ensuite. Alors, F2 to quick save. Ok, thank you. Wow.
Ah, you know all keys. I try to memorize your oh shit, sorry. I try to memorize your advice, Fink. Game gets laggy when you have too many saves. Ah, interesting. Ok, si je fais trop de sauvegarde, en fait, le jeu va ralentir. Je traduis, hein, pardon. Faut que je pense à traduire en français. Alors, je joue avec le mode très... Ah ouais, il y a des modes ? Ah, je savais pas. Ok. Ah, I don't know. There is more mod. Where is my enemy? Where is the boss? Ah. I will avenge my father's death. Bah, tu m'étonnes, venger la mort de son père. You? Now you pay for your insolence. The roof is on fire. The roof is on fire. I can't be. Oui, ça va, pas trop dur. Is this all you've got? Come out and fight like a man. If you want something to be done properly, do it yourself. Let me deal with it. Ah ouais. What? You'll die for your crimes, murderer. Wait. I haven't killed people for years. We have a deal with locals. You are the one who's attacking my fellows. You killed my father and destroyed my home. Easy, man. You're from Glukhol. Believe me, that was not our gang. Some crazy outlanders did it. You lie. I swear on my mother's tomb. Ask your girlfriend, she saw it all. You mean Alice? How can you know? She told us. She visited our camp on her way north to Pest. She was scared like hell. I see. I will follow her. You're free to go, Felix, but never come back here. Ok, il y aura quelque chose à voir avec la Miss, et en fait, il est libre de repartir, mais il lui ordonne de ne pas revenir ici. This time, you've won. But we'll meet again when I will be better prepared. See ya. Ha! Ça va être un ennemi récurrent. Ouais, c'est rigolo. Wow! Nice. Cool. Alors. I have like 200 hours in this game, so I basically know the entire game by memory. Oh la vache! Donc, I translate. Tanner, il a plus de 200 heures de jeu sur ce jeu-là. Et il connaît en gros l'intégralité du scénario de tête, en fait, de mémoire. Alors, base game is fun, but game with mods is a lot better. Small but nice modding community, mostly Russian, true. Ok, bye Félix. le jeu de base est marrant, mais le jeu amélioré avec du contenu additionnel créé par la communauté, donc les fameux mods, en particulier par des Russes visiblement, est vraiment vraiment sympa. Alors FunFan dit, du coup, comme il est midi, je fais à manger à ma maman, je reviendrai pas... Là, je surveille pas avec le téléphone. Oui, c'est pas grave, tu fais comme tu le sens, FunFan. De toute façon, tu vois que je suis peinard, il n'y a pas d'agitation, tu fais comme tu le sens. Moi, je vais pas tarder à faire un relais de chaîne parce que j'ai faim. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Et je reviendrai en début d'après-midi pour faire je sais pas quoi, on verra, j'ai pas encore décidé. Voilà.
Alors attends, la carte. Ah ouais, faudra que je revienne là en fait. Et j'ai quoi dans mon camion? Comment je fais pour voir ma... Ah bah non, je suis con, ma marchandise elle est là. Ok, il était ici. Il y a quelque chose d'autre ou pas? Oula. So if you need help, then just ask. Okay, thank you. Oups. Ow. L'autre il se met devant moi. Oups. Bah heureusement qu'il était là. Oh la violence. Oula. I'm on fire, je suis en feu. Ah, je sais pas. Non, je vais aller à la station service. Engage station first. I need to repair my car. J'ai besoin de réparer mon véhicule à la station service d'urgence. Emergency. Tididit. Ah. But is helping. Oui, yes, of course. I thinking parody, je pensais à une parodie. Last night, the bot saved my life. And not the DJ, the bot. Last night, the bot saved my life on the road. Attends, pourquoi j'ai deux objectifs? Road to what? Vaterland? Next time. La nuit dernière, le robot m'a sauvé la peau. Da-di-da-da-da. The roof is on fire. What? Wait. Quoi? Oh oh. Ah merde. Putain, je l'avais pas vu. Oula. J'ai bien fait d'aller. Loser. Loser. Totalement perdant. Ah merde. Oh là là, je suis plein. I'm a fool qui défoule. Ok. Ah, more expensive. Nice. Prout. Oui, il faut que j'aille vers là-bas. Et. Mais franchement, j'aime bien le jeu. Hein. I like this game. Very funny, I think. Je le trouve vraiment divertissant. Papapi, pipada pada, papi, pipadi palo. Tuk tuk tuk. Allez, go.
Next state. Prochaine étape. Par ici. Merde. Non, mais non, mais non. Ouais. Ouais, bah je vais aller à Guglielmo. What? What? Wow! Attends. Oh! Oh! Wow! Pas vraiment intéressant, not very interesting. Wait, je dois faire un choix. I need to make a choice. Pop, 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 44, 44, 44, 70. Donc je vire ça et je prends le bois. Youhou! It's get right crazier later on. Look forward to it. Bigger truck and bigger guns. Wait! Oh, il y en a trop. Oh là 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 là. Blow himself up, you can sell the gun anywhere, no need to keep them for so long, loot. Ah, here. Why not? Oui, tu as raison. It's a good choice, I think. You have a reason. Just say the wood of the town that you were at. Well, okay. Ah, okay, right click. Okay, okay. Why not? Why not, why not? Exactly, it's a smart. Thank you. Here I am. Wait. Next. What? Wow, c'est sans fin. Okay. Ah. Oui. It's better. Oula. La 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 la. Youhou. You can left and right click loot as well. Watch. Yes. Yeah. Wait. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, joli. Ta ta
Quoi? Sur quoi il tire? Oh vache! Putain, l'autre il est carrément dans le village. Yeah. Allez hop. Attends, c'est la folie là, parce que c'est vraiment la folie. Save. Ok. The map. Ok, demi-tour, tac. Ok. En regardant la carte, l'épave va pas me faire suer. Non, ça passe. Oups. Bout du dieu. The roof is on fire. Mais c'est pas vrai. Mais il y en a combien? Ah! Sorry, désolé. Attends, il est où? Ah, il est là. Tant pis. Oh là là. Why is the price get low? Alors. Hop. Allez, again and again, encore et encore. It's showtime. Mais. Mais c'est pas vrai! Il est où l'autre? Non, il est mort. Ouch! Oh! Wait! Attends. Ah oui. Spectre. Mm. I think you got enough money to live. Oh. How dare you. I can't see. Hell, it's hot. Oups. Alors. j'ai envie de dire, je vais virer les pommes de terre. Je vais plutôt prendre le bois. Ok. Tête. Mais c'est pas possible, c'est sans fin, et it's endless. Oh là là. Youhou. Oui, effectivement, j'ai 5000. I've 5000 credits. I want to go in the next location. Je vais aller à l'autre endroit, moi. It hurts. I should not be endless. Probably a bug. Ah. Hmm. Is good enough to go to the next map. Really? Oh. The roof is on fire.
Now it's a secondary objective. Not primary. C'est pas... Je suis en train de faire une quête secondaire, pas une quête principale. Underworld again, oh. What? Il est où? Ah. Ah, mince. Oups. Oh, oh, oh. Attends, comment je fais pour... Attends, la route. Again. Ah, retro ski. Ok. Woo. Oui, bah, quick, j'aime tout ça. Ah. Explosion weapons cooling system. Oh, wow, very expensive. Wow. Alors, if you want, you can buy some potatoes and sell them and sort for profit. I show it in private time. Okay, thank you. J'ai montré ça précédemment, je me suis rendu compte qu'effectivement les prix entre chaque ville, entre chaque lieu est différent et tu peux faire du commerce. Ouais. Thanks. Wow. Je trouve que c'est trop cher l'outil. I think the tool is too expensive. Ok. Road to Vetterland. Ok. You won't see explosion weapon for a ride. Yeah, gadget are expensive. Ouais, Willy. Vraiment trop cher. Attends, je suis où là? Ah, ok. Bien le bonsoir. Bienvenue, Grope Hero. Bonjour, Equinopsy. Bonjour, Greya. Oula, vous venez à je sais pas combien d'un seul coup. Vinzawat TV. Bonjour, hi, hello, and welcome. Vaterland. Ah. Oh! One more. Eh? Où ça? Potatoes.
On carbure à la pomme de terre, lundi, des patates mardi, des patates mercredi, des patates aussi. Hydrater le sage, ouais. Salade lyonnaise, bonjour et bienvenue. Oh merci là là. Tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur, bienvenue. Oui, de bienvenue. Droit. Merci, bienvenue. Attendez. Bienvenue. Aouh. Alors je vais essayer de faire, bonjour salade lyonnaise, merci, bien, bonjour, bienvenue. Je vais essayer de faire dans les deux langues, comme nous avons un anglais avec nous. My drink, it's my favorite drink in the morning, it's coffee with goat milk. Not cow milk, but goat milk. It's different. Donc je bois un café au lait de chèvre et non pas au lait de vache. C'est mon petit plaisir de vie. J'aime beaucoup carburer ça le matin. Hello, hello. Truc de ouf. C'est pas mal le pseudo. Truc de ouf, petit stream. J'aime bien le pseudo, il est rigolo. Bonjour, j'ai adoré le son du... Mais non, ça l'a fait... Ça te l'a pas fait. Ça me l'a pas fait. Alors il y a un décalage au moment où vous cliquez, vous provoquez un événement et l'annonce, généralement il y a un décalage d'une minute. C'est souhaité parce que moi ça me permet de placer ma voix pour communiquer avec vous. Et je fais parfois des jeux de voiture, alors ça m'évite l'accident parce que ça me prévient qu'il va y avoir un truc. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Bonjour Arasial59. Ouah, wow, mais c'est bizarre, pourquoi vous arrivez tous en même temps? J'ai eu un relais de chaîne et j'ai pas fait gaffe, merci. C'est... Waouh, c'est surprenant. Oula, c'est la folie. Merci, merci. Bah ça va. Merci, merci, j'espère que vous allez bien. Ah oui, c'est truc de ouf qui s'adresse à Arasel. Apparemment vous êtes une bande de copains qui vous connaissez et apparemment vous êtes tous passé le mot. On vient du site Petit Stream qui met aléatoirement en avant un petit diffuseur francophone de 5 spectateurs ou moins. Pendant 10 minutes, fais-nous découvrir ta chaîne. Alors, on dit beaucoup, je peux expliquer pourquoi, c'est incroyable, alerte, follow. Bah, j'essaie de personnaliser pas mal de choses. Alors, attendez, je vais essayer d'atteindre mon objectif, arriver à la ville, et je vais repasser face caméra et je vous promets que je vous explique. Laissez-moi juste 2 minutes s'il vous plaît. Parce que j'aimerais atteindre la fin du scénario principal et sauvegarder proprement. Parce que je vous cacherai pas que je vais peut-être t'attaquer à rendre l'antenne. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Je vais pas tarder à rendre l'antenne pour aller déjeuner. Comme j'ai juste dans le bide que le café au lit du matin et que j'ai rien grignoté, là je commence à crier famine. Mais attendez, évidemment, ça va de soi, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je me précipite vers mon objectif, et puis on sauvegarde, et puis on papote face caméra. Mais c'est très gentil à vous, merci. C'est très appréciable comme procédé, le fait de mettre en lumière les petits diffuseurs dans leur coin francophone. Je trouve la procédure fort sympa. Alors, je vous cacherai pas que moi, j'aime bien mettre en lumière aussi les autres. J'ai ma petite commande pub en fait sur mon chat où j'essaie de mettre en lumière les autres. Parce qu'au niveau de Twitch, c'est fort intéressant, il y a plein de profils, il y a plein de canaux différents. Attendez, je vérifie. Oui, petite réparation peut-être. Ouais, je vais peut-être. Light repair. Petite réparation. C'est quoi ce jeu? Eh ben ce jeu, c'est comme tu peux le voir dans mon affichage en haut, c'est Hard Truck Apocalypse. Je trouve qu'il est dans la lignée d'un plus ancien jeu du même genre qui s'appelait Interstate. Mais je vais vous en parler, attendez, je veux vraiment atteindre mon objectif et puis je... Tac, 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 voilà. Et de manière posée, je vais reprendre vos questions. Alors, attendez.
Je suis où? Je suis pas loin de l'objectif. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue! Bienvenue! J'ai failli louper ma sortie de la forteresse, moi. Ok, c'est 1 km. Ah, sympa. Oula, faut que j'allume les phares. C'est pas comme si la nuit tombait. Alors, en anglais, you could buy a better cabin, but they limit you quoi? Your ferry angle. Or save money for later. Ok. Thanks for this advice. Merci pour ce conseil. J'ai mes appareils qui sonnent en même temps, c'est la folie, je m'en sors pas. Alors voilà, c'est mon dernier objectif pour aujourd'hui. It's my last objective for today. Wow. Oh. Exit only. Il n'y a que de la sortie. Alors, do you wish to travel another region? Et oui, je passe à l'autre région. Yes. Intéressant. Interesting. Also save your game before entering new map. Game sometimes crash when changing map. Merci pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Ok, c'est sauvegardé. Merci pour les conseils. Thank you for advice. Ah ouais, ça peut crasher en fait au moment de charger une nouvelle zone. Dur. Kit window. Alors, je vais bougez pas. Attendez, je vais passer face caméra. Je vais répondre à vos questions. Wait. Attendez. Ah puis j'ai, je suis un peu trop dans l'obscurité. Je peux éclairer un peu ma tronche. Ah, avec une petite lampe, le truc pas mal, une petite lampe de lecture en fait à LED que je branche sur une batterie. Et c'est sympa quand j'ai un petit défaut d'éclairage. Je peux mettre ça dans la tronche. Et en fait, voilà, vous me voyez mieux. Vous me voyez mieux. Alors, je vais vous... Attendez. Avec mes lunettes, ça brille. Alors, attendez. Alors, je remonte un peu le chat pour vous lire. Alors, merci à vous toutes et toutes d'être venus, de faire acte de fidélité. Merci tout plein. Ne serait-ce que me rendre visite, ça me fait très plaisir. Donc, truc de ouf à adorer les sons. Alors, j'essaie de personnaliser pas mal les alertes. Il se trouve que de profession, principalement, je suis technicien informatique. Alors, j'ai une certaine aisance, c'est ma chance, de pouvoir essayer de manipuler les outils, d'expérimenter des choses, de mettre au point pas mal de choses, et de si vous voulez, de personnaliser le canal Twitch au possible. Voilà. Se pas tomber avec le lead book. Pas mal, ça, la dionèse. Bonjour à Azei. Le son du follow. Tac. Alors, jour lit. Vous discutez entre vous. Oula, attendez, j'ai perdu la ligne. Donc, voilà. Salle Lyonnaise qui disait, on vient du site Petit Stream qui met aléatoirement en avant un petit streamer francophone de 5 spectateurs ou moins. Pendant 10 minutes, fais-nous découvrir ta chaîne. Alors, voilà. Découvrir ma chaîne. Je fais pas mal de jeux rétro. Sachant que je suis des années 80. Hein, là, j'ai 40 piges. Que vous dire, donc j'ai tendance à faire les jeux des années 90 voire 2000, PC, PS2, PS3 pour le moment, il y a pas mal de jeux à faire. Que dire d'autre, je diffuse quasi intégralement le week-end, samedi et dimanche toute la journée. Je m'entends bien avec un bon copain en ligne que vous avez vu, qui est FunFan 1992, qui est mon modérateur. Il a lui aussi une chaîne et on se fait souvent des relais entre nous, mais pas que. Parfois, je fais des relais de chaîne, des raids à évidemment d'autres personnes. Mais on a presque un agenda en commun, puis on s'apprécie bien, on s'aide l'un l'autre et on échange nos rôles. Quand j'arrive sur sa chaîne, c'est moi qui deviens modérateur, mais je peux être un coéquipier, un camarade de jeu ou d'animation en vocal pour bavarder de tout et de rien. Ça arrive aussi.
Alors, on va dire la plus-value de mon canal est celui de FunFan. Sur mon antenne, le dimanche soir, je propose ce qu'on appelle le tableau mystère. Le tableau mystère, je vous donne l'exemple, c'est-à-dire que vous devez trouver en fait sur un photomontage, d'où le nom tableau mystère, les jeux qui correspondent aux captures d'écran que j'ai pris des différents jeux. Vous devez retrouver dans la composition à quel jeu ça correspond. Ça, ce jeu-là, on le fait le dimanche soir. Et en récompense, je donne en fait des points de chaîne. C'est pour s'amuser, vous savez, par rapport à la boutique, aux options. Voilà, pouvoir avoir différentes interactions sur mon canal en fonction de ce qui se passe. Je fais pas mal de Minecraft le dimanche. Je suis en train, grâce à Wisebot, j'ai réussi récemment à faire le lien entre le chat Twitch Wisebot et mon serveur Minecraft que je joue chez Very Games, à avoir des interactions. Donc mon public, sans avoir le jeu Minecraft, peut interagir et, on va dire, causer moult péripéties ou faire des cadeaux aux joueurs en direct sur la chaîne. Ça, c'est sympa. C'est ce sur quoi je suis en train de m'accaparer en ce moment parce que c'est absolument génial. Ça aussi, j'y reviendrai dessus demain. Demain, c'est dimanche. Que dire d'autre? Chez FunFan, alors il vous présentera sa chaîne si vous allez le voir. Le week-end aussi, il m'arrive de faire ce qu'on appelle un épisode commenté. FunFan joue. Je fais évidemment sa modération au même moment, mais à l'oral, je fais un commentaire. C'est-à-dire que pendant qu'il joue au jeu, je raconte l'histoire du jeu, son développement, des anecdotes. Je peux présenter par exemple l'entreprise ou la boîte de développement du jeu, son historique et des exploits peut-être qui sont célèbres, qui sont connus dans le monde vidéoludique. Telle personne a réussi le record du monde en speedrunner. C'est-à-dire le fait de finir très vite le jeu, parce qu'il y a des bugs célèbres, voilà, des anecdotes autour du jeu, ou parfois de la science. Un exemple, quand FunFan avait fait Deus Ex, j'avais parlé de la cryogénisation, le fait de se congeler dans l'espoir de pouvoir revivre plus tard en vraie vie réelle, dans le futur, où j'ai parlé du transhumanisme, le fait de remplacer un organe organique défaillant par son équivalent mécanique, par exemple les cœurs artificiels. C'est déjà une réalité. Et voyez, par rapport au thème du jeu, je travaille différents sujets et j'argumente. Voilà. On est un peu, j'ai envie de dire, cul et chemise, comme on dit familièrement, liés entre nos deux canaux, mais c'est un peu les spécificités, les nouveautés qu'on peut présenter sur nos chaînes respectives. Alors, je vais relire le chat, je remonte. Je ne veux surtout pas mettre devant à qui que ce soit. Je prends le temps de vous relire. On est beaucoup, je peux. Je peux l'expliquer pourquoi, pas fait exprès pour l'épée. On te propose, on est encore là 5 minutes. Mince, j'ai peut-être dépassé le délai, pardon. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions d'exemplaires. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Oui, c'est ça, merci Twinsen. Que dire? Que dire, que dire, que dire? Oui, je suis nancéen, oui, effectivement. Oui, conçu à Nancy, né à Nancy et vivant toujours à Nancy. Tac, tac. Oui, ça va, merci. Je vais chercher les joueurs. Ah, Fall Guys, je pourrais pas. Je connais le jeu, hein. Fall Guys, je n'y joue pas, mais je pourrais pas vous aider. Il y a une personne que je pourrais vous dire. Si vous vous intéressez à Fall Guys et que vous aimez les jeux. Ah mince, ils sont partis, Equinox. Ah mince. Il va crever à Nancy, peut-être une scène. Le plus tard possible, j'espère, c'est possible. Ah oui, c'est vraiment un concept. Clac, clac, clac. Ok. Alors, j'ai eu un effet de surprise, mais c'est pas grave. Merci, merci, Kinopsy. Merci, merci. Oui, je voulais mettre en lumière cadeau Anthony. Oula, oula, oula. Attendez, je suis en majuscule. Ah oui, ça, c'est le jeu qui m'a faussé les commandes. Cadeau Anthony que je regarde régulièrement, qui est adorable, qui lui il est trou de mémoire, il est alsacien. Il met en lumière les jeux indépendants et de temps en temps il joue à Fall Guys pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller le voir. Lui par contre il diffuse en semaine, en gros de 16h à 20h du lundi au vendredi. Voilà, si vous voulez un max d'infos. Le train repart, on te souhaite d'excellents bon courage pour la suite. Oui, merci gros Pierrot, pardon, mais j'étais totalement hors délai. Effectivement, alors je vais m'intéresser à eux par contre,
Parce que, du coup, comme j'ai le nom de l'organisation, le site Petit Stream, je vais m'intéresser à eux, c'est fort intéressant. Je savais pas qu'il y avait un concept aussi abouti de... Clac, clac, clac. Oui, Nancy-Lazare, c'est pas très loin. Bah, on fait partie du Grand Est, hein, maintenant, au niveau de la fusion des régions. Voilà, voilà, voilà. Oui, Fall Guys, c'est gratuit sur Epic Games. Ok, ok, ok. Merci. Ah oui, c'est vraiment, vous êtes de passage, quoi. Ah, c'est très particulier comme truc. Donc, voilà, si j'avais vu que c'était vraiment si cadré, j'aurais coupé le jeu, j'aurais répondu tout de suite et je serais revenu au jeu pour le finir. J'ai fait le truc dans le mauvais sens, mince. Ah. Ouais, c'est très bien, je trouve, pour mettre en lumière des diffuseurs. Ouais, je trouve que c'est la formule sympa. Mais je savais pas que ça pouvait prendre cette forme-là, en fait. Moi, je fais spontanément pour faire de la pub à ceux que je connais, pas forcément en relais de chaîne, là. Voilà, je viens de faire la démonstration de la commande pub. Mais il suffit de m'en parler et puis je vous donne des indices en fonction de ce que vous cherchez. Et je réaiguille, quoi, le public. Mais vous, carrément, c'est un concept, je vais m'y intéresser. Merci à vous de... Ouais, ouais, le site fonctionne via un algorithme, ok. Donc, ouais. Ah, j'apprécie l'initiative. Sympa comme tout. J'irai vous voir dans la semaine. Cool, cool, cool. Merci à vous. Donc, du coup, de votre côté, je dois y avoir une présentation hachée de ma chaîne. Parce que je suis complètement... J'ai pas respecté le concept. C'est vraiment le présentation flash. Mais c'est marrant, c'est marrant. Bah, j'allais dire, je suis passé dans vos radars. Donc, du coup, j'aurais... Merci, grâce à vous, j'aurai de la pub. Oui, je vois que mon compteur s'est affolé. Je suis passé de 24 à 6. Ok. Waouh. Ah oui, j'ai une liste de... Ok. Si vous voulez, j'utilise un logiciel particulier de chat qui s'appelle Chatty, que je vous recommande, pour la modération. C'est vachement bien. Et voir ce qui se passe en direct sur votre canal Twitch. Et en fait, j'ai une colonne où je vois tous ceux qui sont connectés dans les dernières minutes. J'ai une liste longue comme le bras, c'est un record. Ça et les profils fantômes de Twitch... Là, je dois être à 40 comptes du jamais vu. Bah, merci à vous d'être passé. Alors, là, justement, en parlant de relais de chaîne, je vais en faire un. Parce que je vais aller me restaurer, je vais aller manger. Je reviendrai vers 14h et des brouettes sur je sais pas quel jeu, à vrai dire. Je vais regarder qui c'est qui est en ligne. Et je vais faire à mon tour un relais de chaîne. Alors. Ah, il y a Mélissa. Il y a Mélissa qui a pas beaucoup de monde. Eh ben, on va aller voir Mélissa Japon. Elle est adorable, la Miss. Attendez voir que je vous programme ça. Red Mélissa Japon. Eh ben, voilà. Elle est franco-japonaise. Enfin, j'ai envie de dire, elle est plus japonaise, mais elle sait parler français de manière impeccable. Elle est adorable. Elle, par contre, elle fait beaucoup de FPS récents. De jeux de dégommage, là, avec l'arme au premier plan des récents. Elle aime bien l'appel du devoir, Call of Duty. Elle est dessus là actuellement sur l'opus Black, je sais pas quoi. Black Ops Cold War. Oula, Great War. Oh là là, mon dieu. Ce concept. C'est un hybride. Comment ça, c'est un hybride? Je ne te suis pas, tu ne sais, je suis désolé. Bref, merci d'être venu. Bonne app. Je vais aller me restaurer. Moi, je vais me manger des pâtes au jambon. Je vous retrouve aux environs 14h, peut-être 14h30, hein, je me bouscule pas. Je reprendrai peut-être sur Hérétique, faire la suite d'Hérétique 1. Peut-être, on verra. Et puis, dans le programme de la journée, on se retrouvera chez FunFan à 20h, je crois. On fera les bibis à 19h et à 20h, on se retrouvera chez FunFan. Ah, franco-japonaise, oui, oui, hybride. Ça y est, ok. Ça crée une scène. Non, mais elle est adorable. Allez, on file chez elle. Bisous tout plein. À la prochaine. À tout à l'heure, cet après-midi. Ciao, ciao. Oh, 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 oh. Oh non, tu une scène. T'as pas le droit de faire ça. Il dit alligato au lieu de alligato à Mélissa la franco-japonaise. Le ville.